يصبر هو قاعد نصادي في الليل وحد الزوم. وكل واحد كم يسمع؟ الو الو، السلام عليكم. Est-ce qu'on peut commencer؟ Oui, oui, oui. Est-ce que la diapo est claire؟ Oui, très bien. Donc, on peut commencer. Concernant les tumeurs cérébrales, en introduction, on peut dire que les tumeurs intracrâniennes représentent une pathologie fréquente en neurologie, dont l'incidence suit celle des accidents vasculaires cérébraux et des démences. Elle est de 15 cas pour 100 000 habitants. Vous voyez que les tumeurs cérébrales sont assez importantes. Alors, j'ai mis cette diapo pour vous montrer qu'il y a plusieurs types de tumeurs cérébrales. Et il y a minimum 140 types et sous-types de tumeurs cérébrales qui ont été décrits dans la littérature, à savoir que chaque année, il y a une nouvelle classification adoptée par l'OMS concernant le type histologique de ces tumeurs. D'accord. Les tumeurs cérébrales, on peut les classer en fonction de la topographie. Il y a les tumeurs sustentorielles situées au-dessus de la tente du cerveau et qui se développent dans les hémisphères cérébraux et sur la ligne médiane. Les tumeurs sous-tentorielles situées au niveau de la fosse cérébrale postérieure, c'est la FCP, donc ça touche le cervelet et le tronc cérébral et l'angle pontocérébelleux. Là, c'est une tumeur, c'est une diapo qui vous montre que l'étage sustentoriel et l'étage sous-tentoriel. Il n'y a pas de question. Est-ce que je peux continuer? Oui, très bien. Alors, le diagnostic des tumeurs cérébrales devant tout syndrome d'HIC, c'est-à-dire hypertension intracrânienne signée de localisation, on doit évoquer le diagnostic de tumeur cérébrale. Il faut retenir cette notion. HIC plus signe de localisation, on doit faire, normalement on va voir après, on doit faire une TDM, l'imagerie médicale, une TDM cérébrale ou une IRM à la recherche pour confirmer le diagnostic d'une tumeur cérébrale. D'accord?
Là, je vous montre le fond 2 et alors, la classification, on peut faire, on a dit qu'il y a une classification topographique, c'est les tumeurs sustentorielles et les tumeurs sautentorielles. Je répète toujours, tumeur sustentorielle, c'est les tumeurs qui siègent en sus l'attente de cervelet et sous-tentorielle, c'est au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Une autre classification, c'est la classification histologique. Vous avez des tumeurs dérivées du tissu nerveux. On a les astrocytomes grade 1, 2 et 3. Nous avons l'oligodendroglium, les tumeurs ventriculaires, à savoir l'hypodymome kystcoloïde, le papillon, les adénomes hypophysaires, les tumeurs de la région péniale, les tumeurs dérivées des enveloppes. Vous savez bien que le cerveau il est enveloppé par la dure mère. Donc, il y a les méningiomes et on peut avoir les nolinomes de Witt. C'est le nolinome blacostique ou bien le nolinome vestibulo-cochléaire. Vous avez les tumeurs dérivées des reliquats embryonnaires, à savoir le craniopharyngiome. On peut avoir les métastases cérébrales et les méduloblastomes. Ce sont les tumeurs les plus fréquentes du tissu, des tumeurs fréquentes cérébrales. Là, je répète toujours, diagnostic positif d'une tumeur cérébrale devant un syndrome d'HIC et signe de localisation, on doit faire une radiologie. Entre autres, c'est la TDM cérébrale et l'IRM ou bien l'IRM cérébrale pour confirmer notre diagnostic. Alors, je vois ici, c'est quoi les signes de localisation? Les signes de localisation, ce sont les signes, alors, c'est un déficit, si je peux avoir un déficit, c'est l'épilepsie, c'est un patient qui, jusque-là, il est bien, qui fait un syndrome d'HIC avec une crise d'épilepsie, c'est un signe de localisation, il faut faire une IRM, plutôt une TDM ou une IRM. Un patient qui fait un syndrome d'HIC plus un déficit de l'hémicore, je dois faire bien sûr explorer et faire une TDM ou une IRM. Le déficit, épilepsie, une anisocorie, d'accord, c'est signe de localisation, c'est les signes qui vous montrent qu'il y a une zone hautement fonctionnelle qui est atteinte, d'accord. Syndrome d'HIC, bien sûr, vous le connaissez normalement, il est fait de céphalie, vomissement, troubles visuels. J'ai mis là l'atteinte de 6. Pourquoi toujours je parle de l'atteinte de 6? L'atteinte de 6, c'est le nerf le plus, entre parenthèses, le plus long. Donc, le trajet le plus long, il est vulnérable à l'HIC. Ce n'est pas aussi long qu'on pense. Il est long de quelques millimètres. Donc, il est vulnérable. On peut avoir une atteinte de 6. L'atteinte du 6, vous avez. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'atteinte du 6? Une diplopie. Quoi d'autre? Atteinte du 6. Strabisme. Quel type de strabisme? Convergent ou divergent? Strabisme convergent. Très bien. Normalement, lorsqu'on atteint une atteinte de 6, nous avons un strabisme convergent. Alors, strabisme divergent, c'est l'atteinte. Quelle paire? Non, ce n'est pas la quatrième paire. C'est le 3. Très bien. Alors, on va détailler un peu les tumeurs cérébrales. Donc, les tumeurs dérivées du tissu nerveux, nous avons les tumeurs gliales. C'est les tumeurs les plus fréquentes. Elles représentent 50% des tumeurs intracrâniennes. Nous avons plusieurs types de tumeurs gliales. Vous avez l'astrocytome grade 1, qui est une tumeur bénigne, ubiquitaire, infiltrante. Elle est mal limitée et récidive fréquemment. D'accord? C'est une tumeur, donc tumeur bénigne. Malheureusement, elle est mal limitée et la récidive, elle est fréquente. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire une exérèse totale.
cliniquement, généralement, relativement, elle est lente, c'est-à-dire évolution lente avec des signes d'HIC, des signes de localisation, c'est l'épilepsie. La TDM cérébrale, on va trouver à l'image, à la TDM, une image hypodense avec l'œdème périlésionnel. Le traitement, toujours, c'est la chirurgie, mais on peut associer la radiothérapie, mais qui reste très peu efficace. C'est-à-dire la chirurgie, c'est le premier moyen de traitement. D'accord. Je vous montre là quelques types de tumeurs gliales grade 1. Vous voyez là. C'est une tumeur qui infiltre le parenchyme cérébral. Nous avons l'astrocytome cérébelleux. C'est une tumeur de l'enfant qui se manifeste par un syndrome d'HIC et cérébelleux cinétique. Cérébelleux cinétique, quels sont les signes cliniques d'un syndrome cérébelleux cinétique? Bien sûr, nous avons un syndrome cérébelleux statique et un syndrome cérébelleux cinétique. Statique. Statique, généralement, c'est quoi? C'est l'élargissement du polygone du sustentation. Alors que le syndrome cérébelleux cinétique, c'est une démarche ébrieuse, bien sûr, avec des mouvements non contrôlés, c'est pas non contrôlés, mais une adiado-co-synésie, trouble de coordination, très bien. Dysmétrie, très bien. D'accord. Alors, la différence syndrome cérébelleux cinétique et syndrome cérébelleux statique. Statique, c'est l'élargissement du polygone de sustentation. Ça témoigne d'une atteinte de quelle partie anatomique du cervelet? Le vermis, très bien. Alors que l'atteinte, le syndrome cérébelleux cinétique, c'est l'atteinte des hémisphères cérébelleux. D'accord. Alors, la TDM objectif, généralement, pour les astrocytomes cérébelleux, objectif une tumeur kystique de l'hémisphère cérébelleux. La chirurgie, c'est le seul gliome qu'on peut guérir après exilase totale. Vous voyez, c'est le seul type d'astrocytome grade 1 qu'on peut faire une exérèse totale et ça guérit après une exérèse totale. Voilà, je vous montre là type d'astrocytome cérébelleux. Vous voyez là, c'est la masse charnue, c'est cette hyperdensité, et là, cette hypodensité, c'est la portion kystique. Là, je vous montre aussi la tumeur, l'astrocytome cérébelleux, vous voyez, avec une portion kystique et paroi du perope. On vous montre là une tumeur. Alors, comme autre tumeur gliale, nous avons l'astrocytome de grade 2. Ce sont des formes intermédiaires qui évoluent vers la malignité. Donc, nous avons parlé de tumeurs gliales grade 1, qui sont l'astrocytome grade 1, que ce soit un astrocytome sustentoriel, l'astrocytome cérébelleux qui sous-tentoriel. L'astrocytome grade 2, ce sont des formes intermédiaires qui évoluent vers la malignité. Et nous allons parler des glioblastomes, que ce sont des tumeurs gliales de grade 4, ce sont des tumeurs malignes. D'ailleurs, on dit, c'est le cancer du cerveau. C'est une évolution, il est caractérisé par une évolution rapide,
marquée par un syndrome d'HIC avec un syndrome déficitaire dans un contexte d'altération de l'état général et troubles plus ou moins sévères de l'état de conscience. Le traitement il est basé sur la chirurgie et la radiothérapie plus la chimiothérapie, mais toujours, comme je le dis toujours, le pronostic est péjoratif. Généralement, plusieurs études ont été réalisées. Malgré une chirurgie, une radiothérapie plus une chimiothérapie, la survie ne dépasse pas 18 mois. Vous avez là une image d'un glioblastome. Vous voyez là une tumeur caractérisée par de la nécrose avec une tumeur pleine. Là. Ah, c'est une IRM. Bon, je vous montre qu'il y a une tumeur qui infiltre la région pariétale. Comme tumeur gliale, on peut parler des oligodendrogliomes. Les oligodendrogliomes représentent 4 à 12% des gliomes. Généralement, elles siègent au niveau des hémisphères cérébrales. La clinique, elle est marquée par les signes, plutôt les crises d'épilepsie. L'HIC n'apparaît que stade tardif, même que les signes neurologiques pendant. C'est-à-dire, nous avons, c'est un patient qui consulte pour des crises d'épilepsie à un certain âge, vous faites une TDM et vous allez trouver qu'il y a une tumeur qui n'a pas donné des signes d'HIC, mais c'est une tumeur caractérisée, comme j'ai mis là, une TDM cérébrale, elle montre que c'est une tumeur gliale avec des calcifications. Là, je vois que vous avez posé une question. Est-ce qu'on peut savoir que c'est un oligodendroglium sans biopsie et un APAD? C'est-à-dire, dans le sens, pour poser le diagnostic histopathologique, il faut faire une biopsie. D'accord? Mais sur des signes radiologiques, comme je vous ai mis ça, TDM cérébral, astrocytome grade 1, avec des calcifications. Lorsqu'on trouve une tumeur infiltrante avec des calcifications, on évoque toujours un oligodendrogliome. Mais pour poser le diagnostic, pour qu'on pose le diagnostic, il faut faire une biopsie. D'accord? Alors, comme tumeur gliale, on peut citer, on va les voir d'ailleurs, les ependymomes, les kystes choroïdes et les papillomes de plexus choroïdes. Si tumeur se développe dans une cavité ventriculaire et atteint un volume important avant de donner des signes de clinique de latéralisation. Alors, quels sont les ventricules que nous avons? Les ventricules latéraux, très bien. Et V3 et V4, très bien. Donc, nous avons deux ventricules latéraux qui communiquent avec le V3 par quel trou? Les ventricules latéraux communiquent avec le V3 par, très bien, par les deux trous de Monroe. Alors, le V3, il va communiquer avec le quatrième ventricule par l'aqueduc du Sylvius, très bien, et le V4 va communiquer avec les espaces périmédulaires par les trous de Luschka et Magendie. Très bien. Luschka. Très bien. Je vois quelqu'un qui a mis Kuschka. C'est Luschka. Donc, c'est des tumeurs qui siègent au niveau du ventricule. Vous voyez que c'est des tumeurs qui siègent au niveau du ventricule. Ils vont mettre beaucoup de temps avant de donner des signes cliniques. D'accord. Ces tumeurs, donc, pendant longtemps, ces tumeurs ne donneront que des signes d'HIC, surtout si elles sont situées à proximité des orifices ventriculaires, c'est-à-dire pour donner des signes de localisation, ça met du temps. Mais pour avoir des signes d'HIC, lorsqu'elles siègent au niveau, à proximité des orifices, elle va donner, qu'est-ce qu'elle va donner, cette tumeur? Si elle siège au niveau de, on va dire, l'aqueduc du Sylvius.
C'est-à-dire, oui, c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, si j'ai une tumeur qui va comprimer l'aqueduc du Sylvius, on va avoir une hydrocéphalie. Hydrocéphalie, ça va donner, c'est une hydrocéphalie préventriculaire qui va donner un syndrome d'HIC. On commence par les tumeurs ventriculaires, par les ependymomes. Alors, nous avons les ependymomes, elles représentent 4 à 6% des gliomes. Vous avez deux types histologiques, le type 1 et le type 2, on ne va pas détailler. La tumeur cérébrale et l'IRM, c'est des tumeurs intraventriculaires. Le traitement, généralement, c'est la chirurgie associée à la radio et la chimiothérapie. Là, je vous montre, vous voyez, ça, c'est une tumeur au niveau de V4. Et lorsque nous avons une tumeur de V4, ça va comprimer, ça va bloquer la circulation du LCR, ça va bloquer l'aqueduc du Sylvius. Et vous avez une hydrocéphalie. Quel type d'hydrocéphalie? Une hydrocéphalie triventriculaire. Et non pas tétraventriculaire. Pourquoi? C'est-à-dire, nous allons avoir les deux ventricules latéraux et le ventricule, le troisième ventricule qui seront dilatés. Donc, vous avez une hydrocéphalie triventriculaire et non pas tétraventriculaire. Si j'ai une tumeur située au niveau bulbaire plus bas et qui va bloquer l'LCR pour passer au niveau de l'espace périmédulaire, vous allez avoir une hydrocéphalie tétraventriculaire. Mais dans ce cas, nous allons avoir une hydrocéphalie triventriculaire. C'est bon? Ensuite, comme autre type de tumeur ventriculaire, vous avez le kyste colloïde. C'est une tumeur d'origine embryonnaire. Le kyste est de contenu colloïde ou mycoïde situé au niveau de la paroi antérieure de V3. C'est-à-dire, parmi les caractéristiques du kyste colloïde, il est situé au niveau de la paroi antérieure de V3. Généralement, la clinique elle est marquée par un syndrome d'HIC paroxystique qui peut devenir permanent. Pourquoi paroxystique? Qui peut devenir permanent. Alors, au début, nous avons une tumeur appendue au niveau de V3. Si elle est appendue, elle peut obturer un seul trou de Monroe, c'est-à-dire que soit à droite ou bien à gauche, et nous allons avoir une hydrocéphalie d'un seul côté. C'est pourquoi nous avons une hydrocéphalie paroxystique. Avec le temps, le kyste augmente de volume, il peut obturer les deux trous de Monroe et nous allons avoir généralement une hydrocéphalie biventriculaire et ça devient permanent. D'accord? Vous avez compris? Donc, c'est une tumeur. Alors, le kyste colloïde, je vous le montre là. Le kyste colloïde, généralement, il est appendu au niveau de la partie antérieure de V3. À certains moments, il est de petit volume, il peut obturer un seul trou de Monroe. Et vous allez avoir une hydrocéphalie d'un seul côté. C'est pourquoi il est appendu, c'est-à-dire qu'il peut bloquer le trou de Monroe et revenir. C'est pourquoi nous avons une hydrocéphalie paroxystique. Mais lorsque là, c'est les images que je vous montre là, lorsqu'il atteint un certain volume, il obture les deux trous de Monroe. Ça devient, les deux trous vont devenir bloqués. Et ça va donner une hydrocéphalie biventriculaire, c'est-à-dire les deux cordes sont dilatées. Puisqu'on a dit que les deux ventricules évacuent le LCR par les deux trous de Monroe vers le troisième ventricule. Et c'est le kyste va bloquer la circulation. Et là, nous allons avoir un syndrome d'HIC permanent.
Vous avez compris, non? Très bien. Alors, le traitement de kyste colloïde, c'est un traitement chirurgical. Généralement, c'est une voie endoscopique qu'on peut faire et on peut enlever le kyste lorsque, puisqu'on a dit que le contenu, le colloïde, avec l'endoscope, on peut aspirer le contenu de ce kyste. Comme tumeur ventriculaire, nous avons les papillomes de plexus choroïde. Le papillome de plexus choroïde, c'est une tumeur qui touche généralement, c'est-à-dire c'est une tumeur du nourrisson et de l'enfant. Lorsqu'on dit papillome de plexus choroïde, on peut dire hydrocéphalie. Pourquoi hydrocéphalie? Vous savez que le LCR il est sécrété par le plexus choroïde. Si nous avons un papillon, une tumeur de plexus choroïde, vous avez une augmentation de sécrétion de LCR et on peut avoir une hydrocéphalie par excès de sécrétion et non pas un problème de circulation. Et nous allons avoir une hydrocéphalie avec un syndrome d'HIC. C'est une tumeur caractéristique de l'enfant. La tumeur généralement à la TDM, c'est une tumeur spontanément hyper dense au niveau du carrefour ventriculaire. L'adénome hypophysaire, comme tumeur, on peut parler. Alors, c'est une tumeur épithéliale de l'anti-hypophyse. Nous avons adénome hypophysaire fonctionnel, généralement le prolactinome qui est le plus fréquent. Et l'adénome AGH. On peut avoir l'adénome hypophysaire non fonctionnel. Généralement, ils ne sont pas sécrétants. Ici, les chromophobes. Alors, la clinique, elle évolue en phase intracellulaire. C'est-à-dire, c'est un adénome qui va évoluer en intracellulaire. Il correspond à la phase endocrinienne plutôt, qui dure de quelques mois vers quelques années. Généralement, donc c'est une tumeur qui évolue en intracellulaire. Quelles sont les manifestations cliniques? C'est les sécrétions endocriniennes. On parle d'adénome, microadénome, lorsque son diamètre est inférieur à 10 mm. La phase supracellulaire, lorsque l'adénome il devient supracellulaire, c'est-à-dire il va augmenter de volume, il va refouler les structures supracellulaires. Nous avons au niveau de la région supracellulaire les deux nerfs optiques. Donc vous voyez que la phase supracellulaire est marquée par une atteinte visuelle. Pourquoi l'atteinte visuelle? C'est la compression des deux nerfs optiques. Et enfin, vous avez une atteinte neurologique, c'est-à-dire une atteinte neurologique. Atteinte, vous avez, alors cellulaire, c'est par rapport à la cellule turcique. Oui, c'est ça. Donc, je parle de la cellule turcique. Donc, si j'ai un adénome endocellulaire, c'est-à-dire comme les microadénomes, la manifestation, elle est endocrinienne. Supracellulaire, il commence à sortir de la cellule turcique, il va comprimer les structures supracellulaires qui sont entre autres le nerf optique. Donc vous avez une atteinte visuelle. La tête neurologique, c'est un adénome, je peux dire qualifié d'un adénome géant, qui va comprimer que soit le nerf optique, que soit le chiasma, que soit le structure neurologique de voisinage. D'accord? Voilà, je vous montre là, c'est un adénome hypophysaire. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un adénome, on peut dire, microadénome ou juste un adénome avec compression des deux nerfs optiques ou bien c'est un adénome géant?
géant. Très bien. Très bien. Donc là, vous voyez qu'il comprime les structures de voisinage. Là, je vous montrais, je voulais vous montrer, c'est un adénome AGH. Il ne me reste que 10 minutes. Hein. Donc, c'est un adénome AGH. Il est marqué par l'acromégalie. Les tumeurs de la région pénéale, elles représentent 1% des tumeurs cérébrales. La clinique, c'est un adulte jeune ou adolescent qui consulte pour un syndrome d'HIC avec un syndrome de Parino. Le syndrome de Parino, il est marqué par une paralysie de verticalité. D'accord. Parfois, on peut avoir une puberté précoce. C'est-à-dire c'est des tumeurs qui ne sont pas fréquentes, mais je parle toujours et je dis qu'il faut les connaître. La région péniale, on peut avoir plusieurs types de tumeurs. Il y a énormément de tumeurs de la région péniale. Vous avez le germinome qui est une tumeur fréquente. Le germinome, le choriocarcinome, le carcinome, beaucoup, beaucoup de tumeurs qu'on peut avoir, pénialoblastome, le pénialocytome. Ouais. Là, ça affecte la motricité oculaire, très bien. C'est-à-dire, là, ça affecte la verticalité. D'accord. Alors, on va parler du méningium. Elle représente 20% des tumeurs intracrâniennes. C'est une tumeur bénigne qui touche plus la femme vers l'âge de la quarantaine, cinquantaine. On peut avoir une tumeur de la région de la convexité ou de la base. La clinique, elle évolue lentement en comprimant le parenchyme sans l'envahir. Voilà, vous avez une tumeur de l'étage antérieur. Alors, c'est quoi le syndrome de Parino? Je vous ai dit, c'est un syndrome caractérisé par une paralysie de la motricité oculaire. Et ça touche là. La motricité verticale. Là, c'est un méningiome l'étage antérieur, c'est un méningiome olfactif. Là, c'est un méningiome de la convexité. Vous voyez là, c'est des tumeurs au niveau de la convexité. Le neurinome du 8 cochléo-vestibulaire représente 8% des tumeurs intracrâniennes. Cliniquement, il évolue par une phase autologique, c'est-à-dire atteinte de la huitième paire. On peut avoir une hypoacousie ou une surdité. L'atteinte régionale, c'est l'atteinte du 5 et la 7e paire crânienne. La phase tardive, une volumineuse tumeur qui occupe la totalité de l'angle post-cérébelleux et qui comprime le tronc. Vous voyez là, c'est le même principe que l'adénome opovisère. Lorsque vous avez une petite tumeur, c'est l'atteinte autologique marquée par l'hypoacousie ou la surdité. Lorsque la tumeur augmente de volume, elle va toucher les nerfs de périphérie, le 5 et le 7. Lorsqu'elle augmente de volume, elle va toucher le tronc cérébral. Voilà, là, vous voyez, c'est une neurinome qui comprime complètement le tronc cérébral. Craniopharyngiome, c'est une tumeur de la poche de Röntgen. Une tumeur supratentorielle de l'enfant. Elle est caractérisée par le syndrome d'HIC, trouble visuel et trouble de l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est une tumeur à triple composante. Nous avons une composante kystique, le liquide, et on le décrit à l'huile de moteur usée, et une partie charnue et avec des calcifications. Donc, c'est une tumeur à triple composante. Là, je vous montre là le craniopharyngiome. Donc, c'est le craniopharyngiome, lorsque on parle d'une tumeur de la région ciliaire, on parle généralement chez l'enfant, on parle d'un craniopharyngiome et non d'un adénome hypophysaire. Les métastases cérébrales représentent 11% des tumeurs cérébrales, que ce soit d'origine digestive, rénale ou utérus. La clinique, elle peut se présenter comme forme aiguë sous forme d'AVC, c'est-à-dire d'installation brutale. Et on pense à un AVC. Lorsqu'on fait un scanner, on va trouver une tumeur cérébrale. Et on peut avoir une forme tumorale avec constitution d'un syndrome d'HIC. C'est-à-dire,
c'est une tumeur à évolution plus ou moins rapide. Le médulloblastome, c'est une tumeur hautement maligne de l'enfant, siège au niveau de la fosse cérébrale postérieure, de situation vermienne. La clinique, elle est marquée par un syndrome d'HIC et un syndrome cérébelleux statique. On a dit au début, le syndrome cérébelleux statique, il est marqué par un élargissement de polygone de sustentation. C'est ça, un élargissement de polygone de sustentation. Alors, voilà, je vous montre là, c'est une tumeur médulloblastome. Vous voyez, ça prend pratiquement la fosse cérébrale postérieure et qui va comprimer le tronc cérébral. Le diagnostic différentiel des tumeurs cérébrales se pose avec un abcès cérébral. Un abcès cérébral, c'est le même principe. Si j'ai un syndrome de localisation plus un syndrome d'HIC et de la température, on doit penser à un syndrome, un abcès cérébral. Et c'est l'IRM ou c'est la TDM qui va redresser le diagnostic. Le tuberculome, une malformation artéro-veineuse, l'accident ischémique, et on peut avoir enfin une forme pseudo-tumorale d'une pathologie inflammatoire, sclérose en plaques, la neurosarcoïdose ou bien la neurobicette. Le traitement en principe généraux, c'est la corticothérapie pour agir contre l'œdème. Le traitement anti-épileptique, on peut avoir un traitement symptomatique, c'est-à-dire pour les vomissements, on peut donner les anti-émétiques. Pour la douleur, on peut les antalgiques. Concernant la chirurgie, on peut avoir un traitement curatif ou une biopsie par biopsie stéréotaxique. Comme moyen, la radiothérapie, la chimiothérapie et les soins palliatifs enfin. On peut dire en conclusion, malgré les diversités histologiques rencontrées, le diagnostic d'une tumeur cérébrale est grandement facilité par les critères topographiques et épidémiologiques. Si bien que dans la majorité, un diagnostic de nature peut être raisonnablement avancé. C'est-à-dire, on peut, comme je vous ai dit dès le début, voir un syndrome d'HIC, HIC avec des signes de localisation. Si un jeune, on va dire un jeune qui fait de l'épilepsie, par exemple, il fait de l'épilepsie, bon, je vais vers un scanner, je vais trouver une image hypodense avec des calcifications, je dois évoquer un hypendymome. C'est chez un enfant qui fait un syndrome cérébelleux statique d'installation depuis quelques semaines, je dois évoquer hein? Qu'est-ce qu'on doit évoquer chez un enfant qui fait un syndrome cérébelleux statique? Médulloblastome, très bien. Vous voyez, c'est-à-dire, devant, malgré, il y a une diversité de tumeurs histologiques, de tumeurs cérébrales sur le plan histologique, mais on peut avancer à diagnostic. Ça reste qu'on doit avoir une biopsie, on va avoir une preuve histologique pour confirmer notre diagnostic. Si j'ai une femme qui se plaint de troubles endocriniens, une infertilité. Une infertilité, un trouble du cycle avec un trouble visuel, je dois évoquer un adénome hypophysaire. Vous voyez, c'est-à-dire, je peux avoir, on peut avoir un diagnostic, on peut avancer un diagnostic et on peut le confirmer par les examens, les examens radiologiques. Alors là, je trouve qu'il ne me reste qu'une minute. Il n'y a pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit que l'atteinte du nerf optique peut donner des troubles de l'oculomotrice. Ce n'est pas l'atteinte du nerf optique. L'atteinte du nerf optique va donner une cécité, une diminution de l'acuité visuelle, mais non pas une atteinte de l'oculomotricité.